Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne. oui, alors on était. J'étais en train de vous. De commencer la. Enfin. Pour la troisième fois essayer de conquérir le Ail. Le Ail. Ail? Ah peut-être Ail. Ouais, c'est possible ça. Ouais, H-A-I-Tréma. Hein? Impossible que ça se dise Ail. Allez, on croise les doigts. Peut-être que cette fois ça se passera bien ou pas. On espère aussi trouver du pétrole. Ça, on va pas se le cacher. Un trésor stock au-delà de sa capacité. Ah ouais, tant que ça? Ouais, j'ai 600 millions, ça va. Et voilà, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est au niveau de la production, au niveau des bâtiments. Ça vient de me revenir là à l'instant. Bon, déjà, j'égalise. J'harmonise. Et c'est dans les productions de moteurs que je vais vouloir toucher quelques petits trucs. Parce que je produis trop de voitures. On a trop de moteurs. Bien baisser le prix du pétrole. Et il y aura juste besoin de pallier un petit peu le manque de moteur. En Albanie. Oh. J'en suis. Bon, normalement, je peux encore. Je dois avoir beaucoup de. Oui, voilà. Ouais, pour un en plus. Donc si je fais un petit tour de marché, oui le prix du moteur il est pris cher, mais ça m'a bien fait baisser celui du pétrole, ça m'a fait augmenter celui de l'électricité, ça c'est pas très très grave. Après si j'avais pas été feignant, j'aurais géré manuellement, mais flemme, j'aurais dit ok je fais une partie. En vrai, ouais, le moteur était déjà cher, donc non, non, il faut que je repasse en diesel. Et là, sauf que là, en Silésie, qui est ma usine principale, je ne produis pas d'automobile. Voilà. Et je pense que si je fais ça, ça fait quoi? Ça me produira, déjà, ça me produit déjà un peu plus de moteur en faisant ça. Et l'appareil en Hongrie centrale. Hop. Et si je fais ça, je veux voir le prix du marché de la voiture. On est à peu près correct, hein. Voilà. Là, ça se débrouillera. Ce qui fait que si je regarde le prix du marché, les legs est encore un peu cher, le pétrole est un peu moins cher. Forcément, on consomme un peu moins. La voiture est un peu plus chère quand on produit beaucoup moins. C'est surtout ça le truc, on en produit beaucoup, beaucoup moins. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok. Comment que ça se passe au niveau du high? Ça se passe. Pas grand-chose à dire. Ça va, mais sans plus. C'est lent, on a pris leur capital. Hein. Parce que je vois que c'est déjà à 75.
Enfin, ils sont que à plus 75. Donc, oh, ça devrait être bon. Ok, ça me va. C'est souffle, pas c'est souffre. Est-ce qu'on réussirait quoi? Tombouctou. Oh la vache. Ah ouais, c'est très partagé, hein. Massina, France, République Britannique, et B. Il doit être content là. Zéro. Oh les pauvres. 1. 1. Après, il y a du soufre, hein. C'est sympa le petite région là-bas. Elle m'a l'air très accueillante, hein, cette région. Peut-être y passer pour les vacances ou plus. Bon. Ah, ça fait bien, ça fait du bien, ça. Si on arrive vraiment à la prendre, enfin, on aura un bon pied dans la péninsule arabique. Ça fait les chemins de fer, ça c'est cool. Mais ça je comprends rien, t'as vraiment rien à gagner en fait à faire ça. Philippines sont d'ores et avant. Sont d'ores et avant, non pas. Les Philippines sont d'ores et avant. Un pays fantoche des Indes orientales néerlandaises. C'est déjà le cas, non? Non? Bah non, ils sont fantoches à moi, ils sont encore mieux. Je vais les chercher, moi. Quand est-ce que j'ai fait ça? J'ai aucun souvenir. Pareil pour le Siam. Mais. Le Dainam, attends mais... Ah non, c'est juste qu'ils ont la même couleur en fait. Quoique je suis en demi-million sur le... Oh, il y a un délire. Ah parce qu'ils étaient... ok, ils devaient être sous contrôle néerlandais. Ouais, il doit y avoir un délire comme ça. Il n'y a que ça que je vois possible. Ce lac. Ça doit être un beau coin quand même par là. Montagnes, des lacs. De toute façon, moi, tout ce qui est montagne, j'adore. Donc, vous mettez des montagnes, moi, je suis aux anges. Bon, là. Là, effectivement, c'est montagneux. Bon, après, peut-être un peu pouillatro ou montagneux. Je dirais que là, il y a par là, il y a des belles montagnes aussi, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Je crois qu'il y en a un peu plus par là. Ouais, là, il me semble que c'est des genres, c'est ultra beau. Il me semble que là, il y a des paysages, c'est super beau. Là, il me semble qu'il y en a, c'est où? C'est pas. Non, de toute façon, c'était plein, mais il y en a un moment. Je sais plus où il y en a, mais je sais qu'il y en a quelque part par là, c'est pas au sud. Il y en a là, voilà, une petite chaîne de montagne là. Là c'est blindé de montagne mais c'est un peu trop désertique à mon goût. C'est pas méchant mais... Bon un peu de verdure ça fait pas de mal quoi. Ok. Oh.
peux leur proposer l'accord. Voilà. On aurait réussi. Après, c'est notre troisième tentative, on a réussi. Bien joué, bien joué. Je suis content, enfin. Bon. Et là? Bah, faut bien retourner sur les Anglais un peu quand même, hein. Faut bien les enquiquiner de temps en temps. Hein. Voilà, conquérir l'État. Oh, ils vont se faire aider par joueur. Alors. Forcément, on mobilise. On envoie ça sur les fronts adéquats. Nos copains. On va aller là où il faut. Moi, bien sûr, je vais pas que prendre son état, on va dire, capitale actuelle. Pas déconner non plus. On va aller chercher ailleurs plein de choses. Ok, voilà, forcément, j'en ai une autre. Tac. Ici. C'est un escroc lui. Ethno-nationaliste. Ah oui, carrément lui. Violent. Alors, ensuite. Ajouter. Transférer. Wow. Je peux pas conquérir, hein, simplement. Voilà, conquérir genre. Je peux pas conquérir l'autre. Ah, c'est dommage. Horicia, c'est où l'Horicia? J'ai aucune idée où est-ce que c'est. Ah bah oui. Et je peux pas le transférer ça? Dommage. Bon, bah, transférer un sujet. Regardez ce que je vois. La République des Qing soutient la République. Non, la Chine des Qing, pardon. Soutient la République britannique. Très bien. Alors. Je vais mobiliser juste ces petites troupes-là et les mettre en défense. Juste pour être sûr qu'ils vont pas passer, parce que bon, eux ils sont badass quand même. Ils ont pas mal de troupes. Et. Bon, après, je peux faire un petit débarquement après à Beijing. C'est pas trop trop un problème. Et je vais peut-être lui demander les Mandchouries. Hein. En vrai de vrai. Vingt-cinq. Je vais lui prendre les Mandchouries. Hein. Faut bien commencer par un endroit. En plus, ça l'affaiblira pas tant que ça. Ouais, donc je vais lui prendre la Mandchourie, ce qui va être équivalent un peu tout ça en territoire. Juste à ça en fait, les trois territoires là. Ouh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. J'aime. J'aime beaucoup. Bon, j'aurais pas tant affaibli que ça les Anglais. Assaut. Ah mince. J'ai un général. Pas où je l'ai envoyé en plus. Je vais pouvoir recruter. Forcément, j'en ai quelques-uns qui sont morts. Oh, la défense défensive, spécialiste de la défense en profondeur. Alors lui, s'il y a un mec qui passe, on va m'expliquer. Ok.
QG Italie aussi, démagogue, diplomate, chevronneur, à foot. Voilà, j'en ai deux là. On va les promouvoir. Il faut trouver. Faut trouver où est-ce qu'il était assigné lui. C'est plus compliqué. Il est assigné là. Il est assigné là. Là on voit qu'il n'y a plus personne. Évolution au Niger, oui. Allez, promouvoir. Mobiliser aussi lui. Mais non, je suis bête. Regardez ce que je vais faire, je vais faire ça. Et l'autre là. C'est qui c'est lui? Ah non, c'est pas le bon. C'est lui? Ouais. Lui je vais mettre en défense. Je vais mettre en défense ici. Bah oui. Ah bah là ça passera pas. Hein. Là si ça passe, là moi je vous dis, il y a un petit souci. Hein. Ok, je peux encore ajouter mais j'ai rien à faire. On va le marché, ça coûte combien? 20. Oh la vache! Je peux rien conquérir avec 5K. Dommage. Je peux rien prendre non plus. Je peux pas prendre les ports de traité, c'est 13. Libérer le sujet, non. Libérer le pays. Non plus. Je peux rien faire du tout. C'est pas grave. Ok, je suis chaud là. Là, je suis grave chaud pour ces petites conquêtes. Est-ce que j'en avais un qui était... Non, ok, c'est bon, il est en marche. Il est en route, plutôt. Je vais pouvoir changer, là, je vais faire avancer des fronts, mais à des endroits où il n'y a pas besoin de grand monde. C'est vrai que là, il faudrait le défendre aussi. Oh la vache! On va tenter une défense ici, mais j'y crois pas trop. Ça, c'est le port de traité. C'est portugais ici. Hein. Ouais, c'est portugais. On va voir. Elle souffre. Électricité, on en fait. On en fait ou. Centrales que j'avais demandé, elles ont été faites. Une bonne partie qui ont été faites. Hein. Je vais en refaire. En Dalmatie. Si j'avais cliqué dessus. Chez les habitants, j'en ai. 1 million! Voilà, voilà. Je n'ai fait que mettre 200. Centrale électrique en construction. Oh, je vois qu'il y a 1 million d'habitants, faut bien leur donner un peu de job. Hein. Surtout que l'électricité est chère. Là, c'est amélioré par les. Les chutes de. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les chutes de Krka. Krka. C'est trop dur à dire. K-R-K-A. Krka. Ah. Il doit y avoir une prononciation. Krka. Krka. Ah, je sais pas. Là, 9 jours. Oui, ce sera bon. Ils seront arrivés avant le début. Oh, très intéressant. Je suis en train de me dire, il faut encore que je lève une nouvelle armée. Même 3 nouvelles armées, en fait, le mieux ce serait. Alors, une au Danube, ok. Toi, tu feras l'affaire. Une. Pologne. Deux en Pologne, même. Ouf, oui, tu es bon, toi. Et deux sur le QG polonais. Ah, bah, je peux pas en recruter plus. Alors, je vais les promouvoir à balle. Je vous mobilise.
quoi? Il a commencé, il a déjà un truc lui. Je me suis trompé. J'avais bien l'impression que je me suis trompé, hein. Alors, à moins que j'ai pu en recruter qu'un seul. Ah non, non, il est là. Ok. Ah non. Ah non, c'est ça, hein. C'est ça, je me suis trompé, hein. J'ai pas cliqué sur le nom. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Je mobilise et je vais faire un double débarquement. De Beijing. Là, ça devrait se passer tout seul en Angleterre. Il devrait pas y avoir trop de problèmes. Surtout que. Je sais pas pourquoi. Ils sont beaucoup. Attends, comment ça, ils sont tant que ça? Ah, il a recruté pas mal de troupes, hein, le. L'anglais. Comment ça se fait qu'ils ont bien recruté tant? Alors, juste. Ah, ok, ouais. Ok, il a bien fortifié, il a réussi à se fortifier un petit peu ses armées, pourquoi pas. Alors, invasion navale. Là, faut trouver les bons noms. Gottfried. Ah, bon, on a un petit souci. Ça va pas assez bas. Ah, mais non, terrible ça. Voilà, Gottfried et Conrad. Conrad Hébert. Ou on a un autre par hasard. Conrad Heller, voilà. Toi, tu vas escorter les convois jusque là. Non, pas jusque là. Faut voir. Ça me permet de couler de potentiels pilleurs. Ok. C'est parti. Pour l'instant, on se regarde dans le blanc des yeux. Voilà, 6. On a mis tout ça. Comment ça, moins 100 ici? Personne qui était dispo là. Au Canada, il fait quoi? Il s'est barré. Ok. Alors comment que ça se passe ici? Ah, t'as l'Espagne qui est venue donner un coup de main au Portugais. Ok. Oui. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Un petit avantage au niveau technologie. C'est pas encore flagrant. En conquier. Ouais, il y a pas mal de batailles en cours. What? Attends, j'ai vu quoi là? Ah, sympa, sympa. Technologie de provenance de masse. Oui. Ça, tout le monde le fait, hein, de toute façon. Là, c'est parfait. Là, ils passeront pas, ça va être l'inverse. Ici, normalement, les Anglais. 170, mais ils sont beaucoup, ils sont partout, c'est pas vrai. Vache. Ah. Non, d'accord, je comprends. Il y a plus. Ouais, il faut cliquer pour avoir le détail maintenant, comparé à avant. Ou. Ok. On a pris la petite île ici. Voilà, il ne devrait pas y avoir vraiment non. Les Caraïbes vont être prises, la Guyane aussi. Il y en a quand même eu un. Ouais, moins deux. On a deux en défense au niveau de la Guyane. Le joueur tombera. Là, c'est censé tenir. Ici, il ne va pas attaquer parce qu'on a l'avantage. Les Indes, ok. Oh bah y'a plus qu'à, hein. Y'a plus qu'à.
Un don de connaissance. On va vraiment me donner une académie là? On va la refuser, on veut pas les industriels. On veut pas que le parti industriel nous montre de trop. Il y a 4,5%. Salaud, il a bien augmenté. Hein. En même temps. En même temps, ils sont assez forts. Enfin, il y a beaucoup d'industrie. 1,87 milliards. Et 3,11 milliards, tu vois. Attends, on fait mieux que Tencent, quoi. Non, ça rendait bien. On est plutôt pas mal. En Hanovre. Oui. Oh, purée. Oula, ça calcule là. Hanovre, c'est par là, là, Hanovre, c'est petit là. C'est vrai que sans. Bon, je me trompe comme ça. Ah voilà, Hanovre. Sans les frontières classiques qu'on a sur les cartes, c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver ce que l'on cherche. C'est clairement plus compliqué. Ah, attendez, regardez, il y a un débarquement là qui se fait là. Il y a double truc, il y a une bataille en mer, donc on va gagner, et un débarquement, qu'on a regagné. D'ailleurs, je vais faire ça. Pour être sûr qu'il conquiert bien le machin. Ah, il a tenté une percée ou c'est moi? Enfin, c'est les. Ouais, non, c'est les Indes, ok, ce sont les Indes. Je me disais c'était bizarre. Bon, comment que ça se passe? On a pris ça, c'est parfait. Eh ben c'est pas notre avantage ici, hein. Si, mais très légèrement. Même pas à long terme. Bon après, voyons voir qui c'est qui a pris cher. Qui c'est qui est prêt à faire la paix? Les Anglais. Ok. Général, coulé un tonneau. Ce mer de sous. Issue. Oh, qui coule, hein, c'est pas très très grave. Ah ouais, mais ça m'aide pas ici. Bon, voyons voir. Ouf. Ah mais c'est la même qui s'est... Ah non, c'est pas la même. Ça baisse pas en même temps. Donc c'est que c'est pas la même. Bon, c'est très proche, mais c'est pas pareil. Ok, j'ai pris un bon morceau là. Il y a juste à aller un tout petit peu à l'ouest. Là surtout il n'y a personne encore qui est présent. Là si avec un peu de chance ça conquiert là, ça accélérerait grandement. Non. Oh pardon. Ah ouais, ça déconne zéro. Je peux retirer maintenant, il n'y a pas de problème. Ça faisait une belle couleur, dis. J'ai l'impression d'être sous LSD pendant un instant là, c'était impressionnant. Les convois.
bois, j'en ai 160 000. C'est pas en perdre 60 qui devrait poser problème. Ah ouais, non, mais par contre, ouais, ça conquérit là d'un coup. Ça conquit, je veux dire, d'un coup. Ah ouais, là c'est bon, là c'est bon. Les Caraïbes, c'est bon. C'est pas grave. Et bah, je vais mettre un autre objectif de stratégie, hein, Yorkshire. Là, c'est parfait. Elle est vraiment là où ça galère un peu. Hein. Je suis vraiment pas sûr de la gagner à terme. Il y a eu pas mal de pertes. Pourtant, on était en supériorité numérique, mais ils ont une grosse, grosse défense. Oh, la vache. 190. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on lui fait perdre un petit peu tous ses territoires aussi aux Britanniques, à gauche, à droite. Donc, au niveau de. Bah, ils sont pas chauds, quoi. Au niveau des soutiens, ils sont pas trop là, quoi. Là, en ayant perdu leur capitale. C'est bien leur capitale, hein. Attends. Qu'il ne l'ait pas changé au cas où, quoi. Oui. Non, mais parfois. Parfois. On sait jamais, ça change de capitale, t'es pas trop au courant. Là tu fais, ah, je suis pas allé au bon endroit, zut. Et ouais non, ce qui fait surtout baisser les Anglais, ouais, comme je vous disais, c'est la prise de plein de petits territoires de ci, de là, à gauche, à droite. Ils ont subi 430 000 de pertes par rapport à 500 000 d'effectifs. Wouah. Wouah. Attends, ouais, c'est énorme. Ouais, j'en ai perdu autant, hein. Mais j'ai plus d'effectifs. C'est juste ça, hein. C'est. Et au final, on est kiff-kiff, hein. Ça, j'espère qu'on va la gagner, là. Parce qu'il y a quand même York à faire tomber. Et au niveau moral, ils sont bien mieux. Au nombre, ils sont moins, au moral, ils sont mieux. Ah, j'en ai perdu deux, il n'en a pas perdu un. Aïe 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 aïe. Mon moral augmente, forcément. Mais il baisse bien plus vite. J'ai pas l'impression qu'on va la gagner celle-là. Hein. Aïe aïe aïe. J'ai pas envie de bouger au moins en plus mes méthodes de. Qu'est-ce que. Ok. Ouais, je disais, j'ai pas envie de me mettre en ça, quoi. Je gagnerai des dégâts, ok. M'intéresse pas, quoi. Ça foutrait tellement le bazar dans les provinces. Je suis même pas sûr que j'en gagnerai. Attends, du pétrole ici? Au Yémen? Non? Ok, non, c'était la fin du. De la migration. Ok, j'en ai qui font rien là. Si vous faites rien, allez faire quelque chose. Il y en a plein, il y a plein d'endroits où on manque d'hommes. Tout là par exemple, voilà. Le Maroc, où là, c'est... Ouais, ils sont partis de Gibraltar là et ils sont en train de conquérir le Maroc, c'est couillon. Là on va intercepter les pilleurs. Il n'y a pas de. Mais non. Oh. Ah ouais. Ah j'aurais pas cru. Ah bon, ils gagnent. Ah vache. Ok. Bon là je devrais gagner aussi. Ouais, avantage technologique. Hein.
Ils sont à 0. Je pense qu'une fois pris York. Oh, ça va jouer à rien. Oh, le suspense, les gars. C'est terrible. Ils ont 213 troupes qui défendent contre 1100. Un peu moins de 200 contre. Un peu, bah un peu, ça va être un peu moins de 1000 bientôt. Allez, les gars. Allez, allez. Je crois en vous. Allez. Oh, ça devrait le faire. Vraiment de justesse, hein. Énormément de pertes. J'ai eu énormément de pertes. Ça, c'est. 221 de défense. Wow, position défensive, manœuvre agressive, ouais, tu m'étonnes. Allez, ils sont 15. Ouais, c'est fini pour eux. Yes. Voilà, j'ai fait tomber leur capitale. Impeccable. Et là. Là, ça devrait baisser fort d'un coup, je suppose. Ouais. Si ça a bien baissé là. Moins 666. C'est précis tout ça. Oui, c'est vrai que vu que j'ai dit que je voulais conquérir les Mandchouries. Et que je les ai pas. Ça va pas m'aider. C'est une couleur différente ou. Oh, les calculs là. Oh là là. Terrible. Mais ouais, la République pris un petit morceau de République britannique ici. Il tient, hein, mine de rien. Alors je sais pas si c'est les Italiens qui ont du mal ou. Mais non, parce que j'en ai envoyé même des troupes. C'est bizarre. Ils se défendent, hein. Ah oui, mais ils sont nombreux. Ah oui, mais ils ont envoyé tout le monde en Italie. Hein. Tu m'étonnes que ça soit tombé à partout ailleurs. Ils ont envoyé tout le monde en Italie, mec. Les Anglais. Hein. Ils ont fait, oh là! On aime trop les pastas pour laisser l'Italie. Hein. Les pastas, les pizzas, on veut tout là. Oh, le stéréotype. Ou les clichés. En plus, il y a quoi par ici? Non, c'est même plus quoi. Côtier, c'est pas du jeu. Il y a quoi ici? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Quelques montagnes? C'est joli en vrai. Je sais pas quelle est la spécialité du coin. Abruzzes? Abruzzes? Pardonnez mon accent comme d'habitude. Ok, là c'est tombé. J'ai pas envoyé du monde là? Mais si, j'avais envoyé du monde. Ah oui, non, c'est juste qu'ils sont encore en trajet. Okay. Un amiral hostile a coulé. 312. Ah, quand même! Dans la Manche? J'en ai pas un là qui. Mer du Nord. La Chine. Je vais les escarter ici alors. Si ça se trouve, ça passe pas par le nœud de la Manche. Peut-être pour ça aussi. Oui, on va voir comment que ça se passe ici. Moins 39,7. On a fait le plus dur, les gars. On a fait le plus dur. Ah, ouais, d'accord, il en renvoie d'un coup, là. Il en renvoie 100, hein. Pourquoi pas? Ah bah, ils veulent pas reprendre leur capitale. Hein, bon, c'est une stratégie, hein, comme une autre, je suppose. Une tactique comme une autre, je veux dire. Ah, c'est un soulèvement. Ah, zut. Ah, j'étais content, j'étais en train de me dire. Oh, trop bien, hein, que ça essaye. Il va unir ce. Ce passage-là, enfin ce passage, n'importe quoi, à unir cet état-là, de Tanganyika et l'Ouganda. Que dalle!
juste un soulèvement. Je laisse pas. Technologie comportementaliste déverrouillée. Pourquoi on voit de la viande? Bref. Un gros morceau de viande comportementaliste. Mais il est carnivore, lui. Voilà. Effectivement. On sait dire si le mec aime la viande ou pas. Grâce à nos nouvelles études sur le comportement humain. Ouais. Tu peux faire une étude sur la connerie humaine, non, parce que là, il y a de quoi faire. Ok, on a pris. On a imposé nos objectifs, donc on a pris. On a transféré l'Orissa. On a acquis le Yorkshire. Donc. Déjà, on va incorporer. Faut pas déconner. Pourquoi la Hongrie? La Silésie, pourquoi? Ah mince! Ah les productions! Ouh, con de moi! Putain, c'est les productions que j'ai échangées tout à l'heure. Ah ouais, et puis je m'en rends compte après en plus, urbain. Aïe aïe aïe! Problème dans la prod, les gars. Ah, ça va plus, on nous a donné des autres ordres. Non, non, mais changez pas, prenez pas en compte. C'est trop tard. Eh merde! Donc je disais Hongrie. Et Wittenberg? Wittenberg, allez. Voilà. Ah, c'est bon, il s'est rien passé, les gars. On n'est pas sûr, c'est un peu la galère, là, que je comprends pas trop. Bon, et eux, ils tiennent bien, hein. Pourtant, j'ai bouffé leur capitale, hein. Je l'ai bouffé avant, en plus, c'est ça le pire, hein. C'est que j'ai mangé leur capitale bien avant. Bon, par contre, on va arrêter nos bêtises là. On va faire ça. Helmut von Truc. Je sais pas du tout s'il faisait quelque chose. Et toi, même endroit, parfait. On va y envoyer. Voilà. Bucard, il est où Bucard? Bucard, voilà. Von machin. Et là les gars, tous les autres, je peux vous dire, on va les envoyer avancer ici. Bon, ça met du temps avant d'arriver, hein. Y a pas à dire. Voilà! Ah, j'ai oublié. Attends pour moi. Ah ouais, mais non, mais ils étaient en. Peut-être le débarquement qui. Peut-être un petit peu annulé. Non, c'est bon, ils auront pris leur ronde. Ouais. On pourrait aller chercher la Corée aussi. Ils sont pas beaucoup en population. Ils sont que 31 millions. Tu me diras, le Japon, ils sont. Ah ouais! 50 millions! Oh bon Dieu, Philippines, 9 millions, hein. J'en ai combien de populations? 1 million 1, 1 million 5 ici, en Australie, puis ouais, ils sont que 3 millions, même pas 3 millions. Attends, quoi? Là, il y a un tiers de la population, un quart de la population du continent, enfin on va dire de l'Australie plus Tanzanie, c'est ici, hein. Même plus là, ils sont 1 million. Ouais, ouais, ouais. Vache. Parce que là, t'as quoi là? T'as plus. Putain. Ah, c'est génial. On va la chier, du pétrole. Putain. Ils sont tous mis à. Oh la vache! Oh, j'en ai trouvé pas mal! 37 puits de pétrole, on va la chier. Trop bien. Enfin, le holoduc, bien évidemment. Bien évidemment qu'on va contribuer. Là c'est toujours la merde, ça fait, je sais pas combien d'épisodes c'est la merde là-bas. En Afrique du Sud, c'est pas ouf quoi. Eux ils sont passés sous mon contrôle. Et ça c'est... Ah c'est Dominion, attends.
Ouais, mais bon, ils vont pas. En général, c'est stable par là. Principauté absolue, je vais pas les embêter. Moins 33, allez. Avec la Mandchourie, ce sera parfait. Un petit tour au marché. Ouais, tout. Les soufres, là, j'en ai pas conquis. J'en ai pas conquis, je suppose, dans nos territoires de soufre. Il n'y en aura pas en Mandchourie par hasard? Je suis à peu près sûr qu'il y en a en Mandchourie qui a. Il y a pas mal de ressources minières. Ouais. Fer, charbon. Plomb, fer, charbon. Fer, charbon. Merde. Il y a vraiment zéro. Me dis pas que c'est genre là. J'étais persuadé qu'il y en avait un dans le coin. Avec du. Sulfate, le silice, oh, je sais plus comment on appelle ça, du soufre, voilà. Ah ouais non bah là, oui non c'est pas à côté, hein. On a par là, ouais, pas mal de mines de soufre là, tout le long du fleuve. C'est lequel lui, c'est le fleuve jaune, oui c'est le fleuve jaune. Sous d'ailleurs. T'imagines la taille des fleuves, toi? T'es mal le truc. Il arrive où? Il est là, hop. Ah, il prend sa source par là. Attendez, hein. Regardez. Le fleuve, c'est comme si on avait un fleuve qui traversait la France de nord au sud et encore, même pas de manière droite. Hein. La vache. Imaginez un fleuve qui fasse l'île Perpignan, là. Puis qu'il passe pas ça, hein. Qu'il fasse hop, allez hop, un petit détour en Normandie, ah, et puis un petit détour en Franche-Comté, on va passer par le Poitou aussi, pourquoi pas un petit détour en Provence, et hop, on arrive en Languedoc, quoi. Ça me fume. Ah, ok, on a bientôt terminé, là. Vu que je prends la Mandchourie, ils vont accepter beaucoup plus vite. Oh, ça aurait bien, ça aurait été un bon petit épisode, un peu plus long. Mais là, avec du territoire. Hein. On aurait bien embêté les Anglais en plus. Ah non, on est perdant sur ce front. Ah oui, mais c'est normal, j'ai laissé que mes gars en défense. On a toujours pas pris la Guyane. Guyana allemande. Ah oui, non, voilà, t'as la République britannique juste à côté. Mais juste, c'était bizarre aussi. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, ça va, tout va bien. Ok, re-invasion navale réussie. Allez, les gars. Oh, c'est long. Donc là, on passe de 633 millions d'habitants. Combien on va passer? Bon, un petit plus 15 millions, un truc comme ça. Ça va dépendre aussi des gens qui seront partis des territoires nouvellement conquis. Ouais, lundi matin. Ça y est, lundi après-midi. Lundi soir. Mais non, moi, il n'y a pas déjà 3 semaines qui sont passées. Je dis ça. Ça y est. Je peux pas proposer. Comment ça, je peux pas proposer? Ah, d'accord, c'est cette fenêtre-là qui fait ramer aussi.
Ouais. C'est pas que je veux pas, hein. On va laisser passer une autre semaine, peut-être que. Ou alors c'est le fait que la Mandchourie soit pas tombée. Un truc comme ça. Peut-être qu'ils ont une spécificité que je connais pas. Un truc du genre, si tu fais pas tomber les provinces, tu peux pas. Tu peux pas prendre. Enfin, tu peux pas. Ils accepteront pas la paix, un truc comme ça. Spécifique à certaines nations. Ah non. À moins que. Attends, j'ai mis en pause là. On met en pause, en rien. Bah non. Bon, apparemment, faut attendre. Plus ça conquiert sec. Bonjour. Mais attends, mais ils sont tous barrés. Oh, mais quel monde d'enfoirés. Regardez-moi ça. 32 jours! La vache! Oh, les mecs, vous y allez comment à cloche-pied? C'est gênant là, 32 jours pour faire ça quand même. En plus, il y a le train! Je veux dire, il y a le train tout là, vous passez par là, hop, le tac! Vous passez comme ça là. Même là, c'est chez nous. Les mecs, au bout d'un moment. Rendez-vous compte un peu de votre connerie quand même. On ne tourne pas? Pétrole découvert. Yes. Combien? 12? Ça me va. Alors, je sais pas du tout où c'est. Il y en a quand même pas mal, hein. Des petits coins de ci, de là. Ça fait plaisir. Non, non. Ok, moins 61,7%. Là, bon, on va arriver sur l'heure. C'était pas forcément prévu. Pas du tout. Mais bon. Ça vaut le coup, ça vaudra le coup. Ouf. Qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Bon. Voilà. Là, ils sont en infériorité numérique. Là, ils sont. Nette infériorité numérique. Là, ils sont en supériorité numérique. Ok. Bon, 75. Ok. Ouyo. Encore le Ouyo. Ils aiment bien, hein. Ouais, je vais leur taper dessus eux aussi. Là, ils ont repris Pueblo en plus. Enfin, ils ont repris. On en fait un fantoche, les salauds. Ils ont pas été tant affaiblis que ça. D'ailleurs, est-ce que je les ai affaiblis? Ouais, je les ai pas tant affaiblis non plus, hein, l'Angleterre. Ah, peut-être assez. Peut-être assez pour aller les embêter et les, enfin, les fantochiser. C'est une bonne question. À voir. Bon, une grosse partie. Bon, allez, on va dire la moitié de Mandchourie est tombée là. Ça s'arrête par là. Là, on a pris ça et ça. Bon, allez, ça devrait être bon. Hein. Toujours pas, hein, c'est fou. Recherche des lieux.
Qu'est-ce que je pourrais rechercher comme lieu? La fontaine de Jouvence. Qu'est-ce que je fous en QWERTY? Qu'est-ce que je fous en QWERTY? Il connaît pas la fontaine de Jouvence, j'ai réussi. Ah! Alors. Ok, on a conquérir. Ouais, on lui a bouffé le morceau là. On lui a bouffé ses morceaux. Encore, il y a un petit pic là, comme ça. Tout ça, c'est à moi là. Laisse à moi. Tout là, t'as un fleuve en fait. Tout ça, c'est un fleuve là. Parce que là. Ah ouais, sacré fleuve. Bah attends, c'est pas possible, il fait pas d'un côté à l'autre le fleuve. Non, ok, là, c'est pas un fleuve. C'est une sorte de marée. C'est sur un fleuve. Ok. Alors, bon, bah forcément. On va faire ce qu'il faut. On va pas refaire les mêmes bêtises par contre. Voilà. Voilà. Ça c'est écrit encore plus gros. Allez, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve jeudi normalement demain, si je ne me trompe pas, pour le prochain épisode. Allez, je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Thiom. Ciao.